projet, ce sont des origamis de planeur réalisés avec non pas du papier comme un origami traditionnel, mais avec un matériau plus léger qui sont des feuilles de polystyrène que je coupe à la main au fil chaud, qui sont épaisses de moins d'un millimètre et que je plie après. C'est-à-dire, le polystyrène, c'est du plastique, c'est pas du papier. Et j'ai créé donc des origamis originaux qui peuvent planer dans l'air simplement en poussant devant soi une pancarte qu'on tient à la main, et le planeur en origami se maintient en l'air devant la pancarte quand on marche. Projet est né d'un phénomène que j'ai découvert il y a quelques années sur Internet qui s'appelle les walk-along gliders et qui existe dans différents pays et différents pédagogues qui expérimentent avec des enfants ce type de planeur. Et j'étais saisi en voyant ça sur YouTube. Et puis j'ai collectionné des vidéos qui traitaient de ce sujet. Mon travail à IMAL et le projet dans son ensemble est pour moi une contribution à cette communauté des walk-along gliders avec le travail d'origami que je fais, c'est-à-dire de design, de planeur, et également ces pancartes que j'ai fabriquées ici à IMAL en me servant du Fab Lab et d'une machine laser pour faire des pancartes de différentes tailles sur lesquelles apparaissent des images isolées sur le fond, assez simples, comme des symboles, des signes, ou des fragments d'images, pour la plupart trouvés sur Internet, et qui trouvent un écho avec le planeur. J'ai été amené à fabriquer des planeurs ici et également à les utiliser au musée de l'aviation de Bruxelles, qui dépend du musée de l'armée. C'est un grand hangar dans lequel sont présentées l'histoire de l'aviation, beaucoup d'avions militaires, quelques avions civils. Et j'ai été tester mes planeurs là-bas, ce qui fait l'objet d'une vidéo qui est présentée ici à IMAL. Je présente également tout le processus de travail de la résidence. Donc pour moi, cette exposition est une restitution de cette résidence.